Je suis Jean-François Lurolle, directeur relations extérieures des laboratoires Boiron en région lyonnaise. Tout petit déjà, je rêvais d'être explorateur. J'aime rencontrer les cultures, les différences. Et en plus, j'aimais bien Tintin pour le côté journaliste. Et j'avais envie d'aller découvrir le monde. Je suis passionné de photos. Si on est dans la communication, on ne peut pas échapper à l'image. Je suis directeur relations extérieures des laboratoires Boiron. Ça veut dire les relations avec les journalistes, les relations avec les réseaux sociaux et les rencontres et visites sur le site. Je fais énormément de terrain. Pour moi, c'est vraiment important d'être en contact avec les personnes. D'établir un contact avec David Pujadas. Et là, quand j'ai un face-face d'une heure avec un journaliste, je trouve ça juste génial. Le cinquième élément, c'est quand même un peu l'aventure, les FAP, parce que l'école nous amène des choses, mais c'est aussi ce qu'on en fait qui va forger notre avenir. C'est pas qui est Ruby Rod, mais ce n'est pas moi. Ce qui m'a plu, c'est on vous forme et vous allez devenir un professionnel de la communication. Alors ça, j'ai dit banco. C'est essentiel que les FAP aient cette culture de professionnalisation rapide. J'ai eu des super profs à l'EFAP, mais j'avais besoin d'aller sur le terrain. J'avais besoin de rencontrer les professionnels et j'ai fait une dizaine de stages pendant mes années de formation. Quand j'imaginais mon futur, ça tournait toujours autour de la communication et je pense qu'il n'y a qu'à l'EFAP que j'aurais pu faire ça.